Bonjour Céline! Salut Steven. Ben, on se fait un petit battle cuisine de prévu aujourd'hui. On peut pas le faire ensemble, hein, bien sûr, dans la cuisine, mais, donc on a décidé de faire notre petite battle-dine chacun chez soi, et on se filme, et on s'est pas envoyé la vidéo trop en avant. Du coup, on va faire un petit. Comment on appelle ça déjà? Review. Voilà, une petite review, une petite vidéo de réaction sur la façon de cuisiner de l'un et l'autre. Donc, tu connais la règle, la vidéo, tu ne l'as pas vue, moi j'ai pas vu la tienne. Tu mets lecture, tu regardes, tu mets stop, tu mets pause, tu fais tes commentaires, toujours avec bienveillance, bien sûr, du genre on a oublié un ingrédient, c'est pas grave. Voilà. C'est parti. Allez, à toi l'honneur. Bon, bah déjà avant de commencer la vidéo, j'aime beaucoup ta cuisine. Je sais qu'elle est neuve, donc elle est très bien. Voilà, déjà. Ouais, je suis bien équipé. J'avoue. Alors, bon, bah déjà, au niveau matériel, au niveau ingrédients, ça a l'air d'être à peu près pareil déjà. Bon, du coup, concernant l'ingrédient manquant, hein, je vais éviter de trop remuer le couteau dans la plaie, hein, Ah ouais, comme non, tu as oublié le poivron, je le mais vois. totalement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait que des kits trois couleurs et tout, et du coup je devais faire le tour de l'autre côté de l'étal. Et j'ai oublié, je suis passé devant des fromages et j'ai fait. Et du coup, voilà. Non, je suis pas passé devant des fromages, mais j'ai juste oublié, effectivement. D'accord, ben tu verras bien dans ma recette, il y a eu un ingrédient qui a été modifié aussi, tu verras. Donc je lance la vidéo et puis ben, je mettrai stop pour faire un petit commentaire au fur et à mesure. Alors, je sais pas si ça s'entendra à la vidéo, mais on a perdu le son de Steren. Est-ce que tu m'entends? Oui, moi je t'entends très bien. Ok, ouais, ta phrase a été coupée dans le son, mais c'est pas grave. C'est la magie du direct. Ouais. C'est pas grave. Ok. Let's go, voilà. Allez, zou! Salut tout le monde et bienvenue dans cuisine. Alors, petite fille qu'on m'a proposé, du moins qu'on m'a proposé, vous avez tous vu la vidéo la dernière fois, si vous l'avez pas vu, vous n'hésitez pas à y retourner. Eh ben, c'était d'aller faire une ratatouille. Donc, bienvenue dans la cuisine des Toscomères. Et puis c'est parti. Alors, ce qui va falloir. Moi, je mets des tomates. Voilà, j'ai des tomates, tout ce qu'il y a de plus classique. D'accord. Une aubergine, mon Dieu, qu'elle est belle. Voilà. Et bien sûr, une courgette. Et un oignon. Et bien sûr, un poivron. Du coup, je fais juste un petit commentaire. Là, tu fais la recette pour combien de personnes? Alors, j'en parle après. J'en parle dans la vidéo D'accord. un petit peu plus loin. Je fais un petit aparté. Mais en gros, je pense que c'est suffisant pour trois gros mangeurs. Voilà, deux gros mangeurs. Trois, D'accord, c'est donc bon. déjà. Voilà. Donc là, je vois que déjà, tu pourras comparer avec ma recette. On n'a pas mis la même quantité au niveau des ingrédients. Tu D'accord. Alors ça c'est pour la partie légumes. À côté, ben je vais aussi utiliser éventuellement du concentré de tomate ou du coulis de tomate, je vais voir. Alors là, je fais juste un petit commentaire, on verra le rendu à la fin. J'ai hâte de voir, là, au premier abord, moi, j'en ai pas mis, parce que j'avais peur que ma ratatouille soit éventuellement un peu trop liquide. Voilà. Parce Ouais. que déjà, l'aubergine, la tomate, ça rend vachement dû. Voilà. Donc, bah, on verra bien le rendu à la Voilà. fin. Sachant que c'est vrai que j'aime bien la ratatouille comme avec de la sauce en fait. Pour moi, c'est une de mes conceptions cuisine à ce niveau-là. Pour moi, c'est un plat en sauce la ratatouille. Du coup, c'est vrai que j'ai tendance à essayer de faire un petit peu de jus, un petit peu de voilà. D'accord. Et donc juste comme ça, t'as l'habitude de manger ça tout seul ou tu manges avec quelque chose en accompagnement Et bien, ou tu verras ça inversement? dans la suite de la vidéo. Pas de D'accord. spoil.
Non, mais comme j'ai des questions qui me viennent en tête, je préfère les poser tout de suite avant de Pas de les problème. oublier, en fait. Ok, bon, j'avance un peu alors. Et du coup, vous allez pouvoir me voir utiliser ce magnifique plan de travail de la cuisine toute neuve. Et pour cuisiner, qu'est-ce qu'il vous faut? Un bon couteau. Un couteau. Une planche à découper. Et puis voilà, un petit peu d'huile d'olive. Une casserole. Poêle, récipient. Et puis des épices. Et puis c'est parti. Alors en huile d'olive, j'y vais à la louche, mais je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Donc là, je vois que tu as mis, voilà, comme tu dis, à la louche. Bon, j'avoue, j'ai beau être diététicienne, voilà, j'ai les grammages aussi. Je sais, c'est plutôt une cuillère à soupe, plutôt par personne, ouais, une cuillère à soupe d'habitude. En D'accord. sachant que voilà, quand c'est à la maison, tranquille pour moi ou voilà, pour ma famille, pour des repas comme ça, voilà, même la diététicienne le fait un peu à la louche et voilà, c'est pas non plus, je vais pas mettre un demi-litre d'huile à la place de pas du tout, voilà, trouver un juste milieu et comme tu as pu le dire aussi, on finit par avoir l'œil aussi au fur et à mesure de ces recettes, plus on les fait maison, et ben plus mieux on les réussit, et plus vite on les fait. Tout à fait. Je me suis bien entendu lavé les mains avant d'aller aux toilettes. C'est important. Donc là, je fais un petit aparté pendant que tu fais ta petite découpe. Déjà, je te pose la question, est-ce que tu as lavé tes légumes avant de les cuisiner? Oui, toujours. D'accord, très bien. C'est ce qu'il faut faire exactement. Je ferai un petit commentaire aussi dans ma vidéo par rapport à ça. Et je vois que tu cuisines sans tablier. Alors, voilà, comme toi, tu aimes les plats en jus, etc. Pourquoi tu ne portes pas de tablier? Je te pose la question. C'est une excellente question, tout simplement parce que j'en vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. D'accord. Si je dois m'en foutre partout, je m'en foutrai partout. De toute façon, au pire, je m'en foutrai partout quand je mangerai. C'est le problème des plats en sauce. Et c'est le problème aussi de ceci, parce que bah on mange, ça va dedans, et puis après, voilà. Tu ne connais pas ça. Heureusement d'ailleurs, pour toi. Et voilà, dans le fait de mettre un tablier, non, non, c'est non. Mais effectivement, ça pourrait être une bonne idée. Ça peut être pas. Je suis plus à travailler avec un torchon propre à côté, tu vois. Voilà. D'accord. Ouais, pour t'essuyer les mains. Voilà, donc petit Voilà. commentaire pour vous qui êtes chez vous. Moi, alors, en tout cas, moi, l'intérêt que je vois au tablier, c'est surtout quand vous faites des repas, soit le midi avant de retourner au travail, par exemple, ou si vous faites un repas pour plusieurs personnes après. C'est si vous êtes préparé, si vous avez déjà votre tenue, c'est toujours pratique d'avoir un tablier. On ne sait jamais, qu'importe le repas qu'on fait, d'avoir un tablier pour éviter de se tâcher, c'est toujours pratique. Voilà, c'est surtout pour ça que je fais ce commentaire-là. Mais bon, si vous êtes en pyjama en train de faire de votre petite ratatouille et que vous mangez pour vous après derrière, bon, c'est pas un problème, quoi. Alors, je sais que ce t-shirt est vraiment pas top, je sais qu'il est pas beau, mais de là à dire que c'est un pyjama. Je dis pas ça, je dis pas ça. C'est un commentaire pour vous qui êtes chez vous. Bien sûr. Alors, je mets les Allez-y. aubergines et les oignons en premier parce que je vais laisser légèrement griller. C'est des gros morceaux d'aubergines, j'aime bien. Voilà, j'aime bien quand ils sont gros, c'est pour ça. Et puis, bah, on va attendre que ça grillote un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, hein, très léger. Et en attendant, bah, nous allons couper tomates et courgettes qui vont arriver quand même pas mal après. Alors du coup, je fais un petit commentaire. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, dans ma recette, c'est quelque chose que j'ai pas fait parce que effectivement, c'est une question de goût. Voilà. Moi, je suis pas très, surtout pour les légumes, j'aime pas trop les légumes forcément grillés.
Donc voilà, si tu apprécies de le faire comme ça, et ben tant mieux. Et puis voilà, pour vous, dans vos recettes, c'est important que vous fassiez ben, selon comment vous aimez, voilà, même si c'est des petits détails, et ben des petits détails peuvent changer toute la recette. Voilà, je fais juste un autre petit commentaire. Voilà, c'est que au niveau du matériel, j'ai rien à dire. Ça a l'air de bien fonctionner. Et puis voilà, ça a l'air d'être du bon matériel. Donc, pas de commentaire spécifique là-dessus. Non, ça m'étonne pas niveau matériel qu'il n'y ait pas trop de commentaires à faire. Non, mais je trouve important de le dire quand Tout à même, fait. tu vois, enfin, faire un petit commentaire dessus pour faire vivre un petit peu le truc aussi. Bon, allez, je continue. Alors là, on a mis de l'eau à chauffer pour peler les tomates et mes aubergines qui commencent à griller, donc je vais pouvoir commencer à mettre mes courgettes. Du coup, là, je fais juste une petite pause pour faire un commentaire. Donc, je trouve ça intéressant que tu pèles les tomates. C'est vrai que certaines personnes peuvent le faire. Alors, la diète que je suis a appris à le faire, bien entendu. Mais je vous avoue, c'est un petit secret. J'ai la flemme. Voilà. Et moi, ça ne dérange pas dans ma recette. J'aime bien comme ça. Donc, je ne le fais pas. Voilà. D'accord, bah, c'est vrai que moi je le fais, c'est plus en temps normal, ça m'arrive des fois de pas le faire. C'est juste que j'aime pas avoir des morceaux de peau dans la bouche, de la peau de tomate, je trouve ça désagréable à souhait. Et j'aime pas la tomate chaude, donc si je veux qu'elle parte bien en purée, bien, et que je sente plus le sale goût de la tomate chaude, bah, j'aime autant qu'elle soit bien écrasée. Et du coup, voilà. J'ajouterais aussi pour les gens qui nous regardent en replay, enfin dans le montage, que il y a effectivement des petits bugs de son et d'image des fois quand Steren parle, du fait que bah voilà, il y a un streaming vidéo de la webcam, un streaming vidéo de la vidéo. Donc on fera comme ça et on fera avec. Ah ben, bien obligé en mode confiné, hein. Eh oui, pas le choix, mais c'est les aléas de la technique. Bon, bah du coup, je continue à avancer. Un petit peu d'eau pour la cuisson avec mes courgettes et tout ça. On recouvre et on va attendre que l'eau boue. Alors du coup, pour peler nos tomates, en fait, je vais attendre que l'eau boue. Je vais les planter dans l'eau chaude. Je vais attendre quelques secondes. Et je vais les prendre, je vais les mettre dans de l'eau froide. Et puis, logiquement, ça devrait partir tout seul. Ouais, j'ai eu des soucis dans mon pelage. Dans mon pelage. Pas de commentaire à faire. Ok, là tu fais. Ok, donc bon, je laisse ça. Ok. Là, logiquement, je n'ai rien Ah. jusqu'à l'étape du pelage. Je fais juste un petit arrêt parce que j'aime beaucoup ta pince. Je ne connaissais pas ce matériel-là. Ben, je pense que c'est vachement pratique. Alors, tu sais quoi? Je ne connaissais pas non plus, je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Je sais même plus où j'ai eu ça, figure-toi. Je crois que ça doit être la première ou la deuxième fois que j'utilise. Et effectivement, et ben figure-toi que pour sortir les tomates de la casserole, j'ai trouvé ça génial. Mais ça se trouve, ça sert même pas à ça en fait. Ah oui, Si tu me dis que tu connais, tu savais pas. ça c'est fort probable même. Mais bon, j'ai envie de C'est dire. génial. Mais un petit commentaire du coup toujours pour vous qui êtes chez vous.
Faites avec ce que vous avez, ce que vous trouvez. Et des fois, on a des bonnes trouvailles. Et puis, après, on les garde. C'est la magie de la cuisine aussi. Bien sûr. Bon, je relance. Donc, bien sûr, aussi que j'ai pris quelques photos au fur et à mesure de la cuisson, son, de préparation de la ratatouille pour mettre sur Instagram. Donc, n'aie pas aller voir les photos. Et puis vous aurez aussi les photos de la version de la diète aussi. J'ai pris moins de photos, mais j'ai fait des petites choses aussi. Un petit peu sympa. Effectivement, qui seront mises aussi d'ailleurs donc sur le sur l'Instagram. Les tomates sont grosses, l'eau a du mal à bouillir, et en plus elles sortaient du frigo. Oui, c'est mal. Donc c'est un petit peu long, on va attendre un petit peu et on va dépecer. Alors là, je te pose une petite question. Tu dis un truc intéressant. T'as mis les tomates au frigo et tu me dis c'est mal. Ouais, c'est mal. Bah C'est mal. pourquoi? Parce que ça se met pas au frigo normalement, les tomates. C'est un fruit qui vit très bien à l'air libre. Donc, effectivement, en fait, j'ai mis tous mes légumes au frigo et puis les tomates avec. Mais je sais qu'il y a plein de personnes qui préfèrent les tomates à température ambiante. Moi, personnellement, j'aime pas les tomates, donc à quelque chose près, j'aime pas les tomates. Donc, j'aime autant qu'elles soient fraîches. Mais là, pour le dépeçage, peut-être que j'aurais dû effectivement les sortir histoire de gagner un peu de temps. Voilà. Donc pour compléter ton commentaire, ce que je trouve ça intéressant, c'est que pour des soucis de conservation, c'est mieux de les mettre au frigo, hein, parce qu'autrement le bac à bière ne servirait pas grand-chose, n'est-ce pas? Je rigole, le bac à légumes, voilà. Non, le bac à bière, c'est bien. Non, oui, ce que je veux dire, mais voilà, c'est après si chez vous ça se conserve bien, parce que voilà, il y a des milieux où ça se conserve plus ou moins bien. Vous pouvez les laisser dehors, mais voilà, si vous les conservez plus longtemps, si votre recette se fait dans une semaine plutôt que dans le lendemain, par exemple, effectivement, les mettre au frigo, c'est mieux. Après, c'est vrai que selon les recettes que vous faites, en particulier si vous faites des tomates, par exemple, en crudité, donc des salades pendant l'été, peut-être les sortir un peu avant, parce que c'est vrai que la tomate crue froide, ça pique un peu, hein. Donc, puis par exemple, voilà, pour les légumes, si vous souhaitez peler les tomates, eh ben, c'est plus pratique aussi. Mais bon, si vous les sortez au dernier moment pour, je sais pas, faire une autre recette, j'en ai pas qui me vient en tête là, mais faire une autre recette avec des tomates qui vont cuire, là, vous pouvez les sortir au dernier moment. Voilà, mais je trouvais intéressant d'en parler. Merci pour ces conseils. Alors pourquoi je coupe la tomate vraiment en petits morceaux? Bah tout simplement parce que j'aime pas ça. Alors moi je complète ton commentaire. Alors toi c'est parce que tu n'aimes pas ça, mais c'est vrai que couper en général les légumes, les fruits en plus petits, moi l'intérêt que je vois c'est surtout que c'est plus joli à présenter et pour la plupart des choses ça cuit mieux et plus rapidement. Par exemple les pommes de terre coupées en plus petits morceaux ça va cuire beaucoup plus vite. Tout à fait. Après faire attention pour les pommes de terre, pour la cuisson, éviter que ça parte trop en purée bien évidemment. Mais après, au niveau présentation, c'est un peu plus joli. Moi, toujours par flemme et aussi parce que j'ai pas de super bon couteau, j'ai pas coupé comme ça dans ma recette. Voilà. Alors ça, vous pouvez pas Mmh. sentir, Je c'est pense. du paprika fumé, c'est juste une tuerie. J'ai rajouté des herbes de Provence, on est sur un plat méridional, classique, blablabla. Un petit peu de sel, et voilà, un petit peu de paprika fumé pour relever sans piquer. Je fais juste un petit stop là, parce que c'est intéressant. Moi, j'ai pas mis tout à fait les mêmes choses dedans. Par exemple, voilà, j'ai pas mis de paprika fumé. Voilà, vous verrez dans ma recette ce que j'ai mis.
Voilà, j'ai pas salé non plus parce que la ratatouille en général, je la mange avec autre chose. Ça peut être une tranche de jambon, un petit peu de pain fromage par exemple, ou totalement autre chose. Et souvent, les aliments avec lesquels j'accompagne sont salés, donc en fait, je sale pas forcément ma ratatouille. Voilà, et aussi, un petit commentaire, une petite différence, j'utilise plutôt du gros sel que du sel fin. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire d'ailleurs pourquoi tu utilises du sel fin plutôt que du gros sel? Alors, je vais même te dire pourquoi d'abord je sale. Je sale tout simplement parce que c'est un exhausteur de goût. Donc, ça. Je sale un petit peu, avec parcimonie, beaucoup de modération. Voilà, c'est, je suis pas à saler de manière compulsive. Donc, effectivement, si je suis d'accord avec toi, si on mange un truc salé à côté, bah, on pourrait se dire qu'il n'y a pas besoin de sel. Sauf que je considère que le sel n'est pas là que pour saler, mais pour donner du goût. Et du coup, je préfère largement ne pas saler ce que je vais manger à côté, par exemple un riz, des pâtes ou un truc comme ça. Ne pas saler mon eau, plutôt que de ne pas saler mon plat qui lui mijotera. Donc ça, c'est la première petite parenthèse. La deuxième, pourquoi je prends du sel fin et pas du gros sel? Voilà, c'est à peu près ça la réponse. Le gros sel, bah, effectivement, est moins cher, de manière générale. Je pense que c'est parce que je dois mieux. J'ai plus l'habitude, en fait, du sel fin pour cuisiner, pour doser. Le gros sel, c'est ce que je vais mettre éventuellement dans mon eau des pâtes, par exemple. Enfin, c'est ce que je faisais avant, maintenant je mets plus trop. Mais voilà. Bon, juste pour revenir, effectivement, le sel est un exhausteur de goût. Après, concernant les légumes, moi je suis assez satisfaite de la qualité, voilà, des légumes que je prends. C'est un petit panier bio, voilà, que je prends toutes les semaines. Et je trouve qu'en fait, ils se suffisent à eux-mêmes aussi. C'était ça que je voulais rajouter. D'accord, bon après là c'est vraiment, je pense qu'on est dans de la question de goût, hein, purement et simplement, donc voilà. Par contre c'est vrai que généralement j'évite de balancer le truc comme un porc-casse dedans, voilà, on conseille souvent de mettre dans la main pour vraiment avoir une idée de la volumétrie de ce qu'on va mettre. Voilà. C'est un festival de couleurs! Donc du coup là on a nos aubergines qui sont cuites, les tomates ça va cuire très très vite, hein, surtout qu'elles sont déjà passées un petit peu à l'eau chaude pour être pelées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a les courgettes. Les courgettes pareil, c'est un petit peu plus long à cuire généralement, mais là c'est déjà bien atteint. On va laisser un petit peu les légumes prendre le goût des épices et des herbes. Et puis après, donc je vais rajouter un petit peu de coulis de tomate. Voilà, un fond de coulis de tomate, je pense. Pour faire une vraie bonne sauce. Parce que voilà, la ratatouille, je l'aime bien avec de la sauce. Et généralement, je sers ça avec un riz. Donc l'eau pour le riz est mise à chauffer. Il n'y a plus qu'à attendre. Alors Moi, du j'ai coup, rien à donc, dire au final, là-dessus. j'ai Par contre, pris tu ce qui me reviens. restait en double concentré de tomates pour faire ma sauce parce que bah, j'allais pas voilà j'allais pas ouvrir un truc de coulis de tomates complet pour en mettre juste un petit peu niveau gaspillage ça serait dommage, mon tube était déjà ouvert, voilà, vous ne sentez peut-être pas mais ça sent bon la Provence, la ratatouille a l'air plutôt pas mal. Il manque encore un petit peu de cuisson. Le riz, d'ailleurs, va remonter un petit peu. Le riz, on rit, mais le riz n'est pas cuit. Ça va arriver. Niveau quantité, j'en ai pas parlé. On est sur. Je pense qu'il y en aura au moins pour 3, 4. Voilà. Je pense, voilà, 3 bons mangeurs. Pas pour le riz, hein, pour la ratatouille. Le riz, j'ai pas fait grand-chose. L'avantage de la ratatouille, c'est que ben voilà, une fois que c'est frais, ça se congèle super bien dans une petite boîte, on met ça au congélo et walou! Donc,
je vous retrouve après. Alors avant que tu abordes les quantités, je fais juste un petit commentaire sur ta sauce tomate. Juste le fait que moi, des fois aussi, ça m'arrive. Je finis les fonds où j'ai pas envie d'ouvrir, par exemple, un pot de sauce tomate. Voilà, faut pas avoir peur de mettre au frigo. Souvent, ça se tient bien quand même plusieurs jours. Voilà, puis pour les listes de menus, après, je fais toujours en fonction de ce qui me reste aussi au frigo. Voilà, donc ce sera peut-être quelque chose qu'on pourra réaborder par la suite. Effectivement. Niveau cuisson, la ratatouille est pas mal. J'ai rajouté un petit peu de paprika fumé parce que je trouvais que ça manquait un petit quelque chose. Et puis après, je vais mettre un petit coup de poivre sur la fin, histoire que le poivre ne cuise pas. Oui, le poivre cuit, ça perd bonne partie de son goût, donc ça sert à rien. Et puis on va attendre que le riz cuise aussi. Et puis, on va manger. Du coup, je fais juste un petit stop pour dire que ton point sur le fait que le poivre perde du goût au fur et à mesure de la cuisson, c'était très intéressant. Je pense que c'est bien que les gens puissent le savoir. Et le fait que tu rajoutes un petit peu de paprika, c'est intéressant aussi parce qu'il ne faut pas hésiter dans les recettes à goûter régulièrement et à rehausser selon ses goûts et selon ses envies du moment. Une photo en direct pendant la préparation sera disponible et même est déjà disponible sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné, inscrit, n'hésitez surtout pas à y aller. Vous allez voir de temps en temps des petites photos, des plats, de moi qui fais à manger, de moi qui me pèse. Non, peut-être pas celle-là. Les atus beauté, le masque au miso. Bref, à tout de suite. Voilà, j'ai rien de spécial à dire. Même pas sur les astuces beauté. Ben non, si c'est toi qui t'en charges, y'a pas de problème. Allez, je relance. On a le riz qui est quasiment cuit, on va bientôt pouvoir passer à table. Ok. La présentation, le chat. Eh ben, ça a l'air vachement appétissant en tout cas. J'ai pas fait le même type de présentation, mais limite je préfère la tienne quand même. Ah, ouais, merci. Donc tu remarqueras le choix de l'auteur de faire ça avec un riz. Bah ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire un truc en accompagnement. Je l'ai fait seule du coup. Bah là en fait, si j'ai fait un riz, c'est tout simplement parce que j'avais pas de viande. Donc, quand j'ai pas de viande, enfin une ratatouille seule, je trouve qu'il me manque quelque chose. Soit je fais une viande à côté, éventuellement, et auquel cas je préfère que la viande mijote dans la ratatouille.
C'est super bon, tu mets une pièce de bœuf, tu sais, style bœuf bourguignon, un truc comme ça. Tu mets ton morceau de bœuf dedans, c'est pas très vegan tout ça. Par contre, effectivement, quand je mets pas de viande, j'aime bien servir ça avec un riz ou avec des pâtes. Voilà. Voilà, moi, après, comme je bouffe du pain, mais à tout va, bah, tu vois, ma ratatouille, je l'ai bouffée juste avec un morceau de pain, puis j'ai mis un petit morceau de fromage dessus, tu vois. D'accord. Donc, du coup, niveau présentation, ça le fait moyen, tu vois. Ah bah moi c'est pas beau. Hein. Par contre c'était bon. J'ai invité le voisin du dessus à venir manger. Il n'aime pas la ratatouille, il n'aime pas les légumes et il a adoré. Bon, donc j'étais Bah, content. Ouais. tant mieux. Voilà. Mais bon c'est surtout les poivrons qu'il aime pas et pas de bol, j'en avais oublié. Pas Voilà. Du coup on va passer à ta vidéo. On va essayer de voir un petit peu les différences. On va essayer de voir. Qu'est-ce qu'il y a, voilà, comme différence d'ingrédients, comme différence de façon de cuisiner. Et ben c'est parti. Action! Bonjour à tous, donc suite à la dernière vidéo, on a décidé avec Steven de faire une ratatouille chacun de notre côté en mode confiné. Donc voilà, je vais vous présenter ma version. On verra pour comparer avec celle de Steven par la suite. Alors pour ma version, donc je vais faire cette recette pour 4 personnes. Sachant que voilà, je suis toute seule, donc ce sera mis avec les restes, voilà, au frigo. Donc je prends une courgette pour 4 personnes, une aubergine, et puis ensuite une tomate par personne. Donc là, ce qui nous fait 4 tomates, ainsi que 2 poivrons. Donc là, c'est 2 petits poivrons rouges pour donner un peu de couleur. Voilà, donc ça c'est un peu les quantités. Après pour agrémenter, donc normalement c'est un rognon, là j'en avais pas, donc j'ai pris une échalote. Ensuite j'ai pris une gousse d'ail, donc toujours pour 4 personnes. Et après je vous montrerai un petit peu, une fois que j'aurai fait les découpes, qu'est-ce que je mets comme herbe ou comment dire, épices pour agrémenter un petit peu. Voilà, et puis je ferai sur Instagram, et puis pour la vidéo il y aura quelques petites photos pour vous montrer un petit peu des exemples d'épices ou de condiments à toujours avoir dans sa cuisine. Voilà, varier selon ce qu'on aime ou voilà, ce qu'on n'aime pas. C'est toujours pratique pour cuisiner et puis pour agrémenter ces différents plats. Donc voilà, je passe à la découpe des aliments. Ok, premier petit commentaire. Donc on n'a pas les mêmes ingrédients. Et toi, tu n'as pas oublié les poivrons. C'est déjà bien. Félicitations pour ça. On n'a pas non plus les mêmes ingrédients au niveau des condiments. Je te vois mettre de l'ail. Effectivement, j'avais de l'ail frais. Je n'en ai pas mis. J'ai mis de l'ail en poudre. Ça se voit pas forcément à la vidéo d'ailleurs. Un ail déshydraté qu'il faut vraiment que je finisse avant d'utiliser de l'ail normal. De l'ail frais, pardon. Et on n'a pas le même ratio non plus dans les légumes. Hein. Moi, je suis avec une bonne grosse courgette, une bonne aubergine et 2 tomates. Que toi, tu vas être sur 4 tomates et une courgette qui a l'air un peu plus petite et une aubergine qui a l'air à peu près kiff-kiff. Alors moi je fonctionne avec des recettes le plus souvent. Là ça vient d'une recette, voilà, que j'ai apprise en cours, parce qu'en BTS diététique on a quand même 5 heures de cours par semaine de cuisine. Voilà, c'est pas forcément voilà, quand on n'est pas dedans. Et donc voilà, en moyenne ce qu'on apprend c'est, enfin voilà, sur ma recette en tout cas, c'est à peu près 100 grammes de tomates. Donc moyenne une tomate, 50 grammes d'aubergine, 50 grammes de courgettes et 25 grammes de poivrons, voilà, pour une personne. Donc pour ce soir un peu plus visuel, dans la vidéo, voilà, je vous ai dit une tomate, voilà, ça fait 100 grammes, pour 4 personnes une aubergine. Voilà, ne pas être en train de couper sa tomate pour trouver exactement 100 grammes. Voilà, quand vous Soyons êtes chez précis. vous, on n'est pas là. C'est des D'accord. recettes, voilà, ce que moi j'ai appris en BTS diététique, c'est des recettes qui sont principalement adaptées à la collectivité. Voilà, pour mettre en place, voilà, c'est pour une personne, mais pour être adapté à 100 personnes plus. Voilà. Et donc voilà, c'est des recettes, j'en ai apprises aussi avec ma famille, mes proches. Souvent, voilà, j'aime bien fonctionner avec des recettes. Voilà, après, moi, je trouve que ça fait un petit repère, surtout que j'aime bien faire de la pâtisserie. Donc voilà, souvent, on ne peut pas trop faire au pifomètre, voilà.
Voilà, moi, c'est quelque chose que j'aime bien travailler. Ouais, effectivement, la pâtisserie ne laisse pas de place à l'improvisation. C'est pour ça que j'en fais très peu. Quand je les fais bien, hein, mais j'en fais peu. Par contre, concernant les recettes, bah je travaille plus au souvenir et au plaisir du goût plutôt qu'avec une recette fixe. Je vais vraiment D'accord. avoir, me donner, du moins, me donner une certaine liberté, une certaine marge de manœuvre dans ma façon de cuisiner. Je vais éventuellement de temps en temps aller voir des recettes pour savoir si j'ai oublié un ingrédient ou. Voilà. Mais globalement, j'utilise vraiment peu des recettes toutes faites. Ça va être, si, éventuellement sur des points techniques. Techniques que j'entends vraiment techniques. Ou aussi éventuellement sur des recettes étrangères. J'aime bien cuisiner la cuisine du monde. Et effectivement, sur des recettes étrangères, je vais potentiellement aller regarder un petit peu des recettes pour savoir. Bah pour savoir quelques détails, un ingrédient que j'aurais pas pensé, enfin voilà. On va Voilà, je continuer. rebondis sur ce que tu dis. Moi, j'aime beaucoup aussi découvrir de nouvelles recettes, découvrir des recettes d'autres pays. Donc, j'ai pas mal de livres de cuisine où je regarde pas mal sur Internet pour trouver des recettes, des choses que je connais pas ou des choses dont j'ai entendu parler. D'accord. Voilà, pour avoir les recettes. Puis après, de les faire, bien entendu, à ma manière aussi. Et puis aussi pour aussi un petit peu m'adapter ouais, dans mes proches j'ai des personnes qui voilà, certains aliments ils aiment pas ou ils sont allergiques et D'accord. Ah voilà c'est un travail mince. qu'on fait en BTS diététique d'adapter tout ça et voilà les recettes de base qu'on voit comment on peut les adapter à diverses populations et à différentes pathologies voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a entre les casse-pieds qui n'aiment pas les carottes et puis ceux qui sont allergiques à peu près à tout, c'est pas évident. Alors, donc là, t'es au découpage, hein. Entre deux découpes d'aliments, je précise que j'ai lavé tous les aliments avant, bien entendu, pour être sûr qu'ils soient propres. Qu'il n'y ait pas de. Voilà, si, surtout si ce n'est pas des légumes bio, voilà, d'être sûr d'enlever tout ce qui est pesticides, etc. sur les légumes. Alors, ouais, on est d'accord, il faut laver ses légumes, surtout s'ils sont pas bio. Quand ils sont bio, faut les laver aussi, hein, parce que, y a peut-être moins de pesticides, mais le petit renard des champs qui vient faire sa commission, la petite ou la grosse d'ailleurs, sur le légume juste avant qu'il soit pris pour être mis en magasin, personnellement, je trouve pas ça très agréable, ça donne un goût bizarre. Donc, bio ou pas bio, moi personnellement, je lave les légumes. Non, je suis d'accord avec toi, je me suis peut-être un peu mal exprimée dans la vidéo, mais effectivement, dans tous les cas, laver ses légumes, c'est juste qu'effectivement, tout ce qui est produits chimiques, il y en aura pas ou voire moins sur les légumes bio. Donc, peut-être être plus précautionneux sur le lavage des légumes pas bio, mais évidemment, laver vos légumes bio aussi, hein, parce que voilà, moi, mes légumes, je les prends en panier bio, voilà, d'un petit maraîcher. Si je lave pas mes pommes de terre qui viennent de pleine terre, voilà, les pommes de terre et mon gratin n'ont pas le même goût du tout. Hein. Je confirme. Alors, on va avancer un petit peu. Alors, tu as été prise en flagrant délit de mettage d'huile d'olive à la louche dans la cocotte. Donc, effectivement, comme tu disais. Eh oui, même la diète peut le faire. Voilà. Surtout chez elle. Voilà. Niveau équipement, t'as l'air donc d'avoir une planche à découper plutôt sympathique. Un couteau par contre, le couteau, ouais, je le trouve pas tip top. Enfin, c'est un avis. Hein. Il a l'air très léger, il a l'air vide à l'intérieur. Effectivement, est-ce que c'est le couteau le plus adapté? Je sais pas. C'est le seul que t'as pas un autre couteau, un vrai couteau de cuisine, je sais pas.
Ben, c'est vrai que moi, avec mes trois mains gauches, j'avoue que prendre des vrais bons couteaux comme toi, tu as en tout cas des couteaux bien pour découper des viandes, pour parer le poisson, etc. Moi, c'est pas des choses que j'ai, mais voilà, je m'adapte à ma propre situation aussi. Alors, savoir qu'un vrai bon couteau, déjà, ça évite certains problèmes, entre guillemets, certains incidents, et surtout, ça a l'avantage de donner une précision, une vitesse de coupe. Bon, après, on n'est pas cuisinier l'un comme l'autre, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément non plus l'intérêt et l'utilité d'avoir du bon matos. Et tu vas donc faire cuire ça à la cocotte. Cocotte en fonte? C'est ça, moi c'est une cocotte voilà, que j'aime bien utiliser. Surtout, vous allez voir à la fin de la vidéo, il y avait une certaine quantité. Donc, on n'avait pas de trop avec la cocotte. Ça prend tout de suite vachement de volume, la ratatouille. Hop, alors, on va passer. Donc là, tu mets les légumes. Ah non, tu parles avant. Oh, pardon. Remettons. Donc là, je vais me faire chauffer dans ma cocotte voilà, un petit filet d'huile et comme ça, je vais rajouter les aliments. Donc voilà, je vais les rajouter au fur et à mesure et puis après, on passera à la cuisson. Alors, je te vois rajouter les aliments. Pareil, tu mets tout en même temps. Tu mets pas des aliments avant d'autres, du fait qu'ils ont une cuisson peut-être potentiellement plus courte, plus longue ou non? La plupart du temps, en tout cas pour la ratatouille, comme il y a pas mal de jus qui est rendu avec la tomate, donc par rapport à la cuisson de l'aubergine, je trouve que la cuisson, surtout avec 40 minutes de cuisson, je trouve que c'est suffisant pour cuire l'aubergine. Voilà. Et surtout que. Un souci? Non, non, je réfléchissais à ce que je suis en train de dire, ce que j'essaie de me rappeler de ce que j'étais en Ah, mais train de même si dire. tu dis pas la même chose, c'est pas grave, hein, Ouais, je reprends. Donc, voilà, pour certains légumes, évidemment, je respecte plus ou moins la cuisson, parce que voilà, ils sont plus ou moins durs voilà, à cuire. d'accord. Après, bien évidemment, pour certains, quand il y a un mélange d'aliments. Voilà, hier soir j'ai fait un gratin de courge, voilà, j'ai laissé 40 minutes pour la cuisson au four. Mon fromage qui allait dessus, je n'allais pas les mettre 40 minutes dessus non plus, hein, parce qu'autrement, ça risquait de brûler. Donc D'accord. voilà. Et alors pour la ratatouille, tu parles de 40 minutes de cuisson, c'est ça? Voilà, en cocotte, 40 minutes de cuisson. Et si ouais, je le précise dans la vidéo, j'ai après utilisé un autocuiseur, mais que je n'ai pas. Voilà, c'est pas un investissement que j'ai fait pour ma cuisine à moi. Et mais pour les personnes qui en possèdent un, c'est vrai que c'est vachement pratique qu'on passe de 40 minutes de cuisson à 15 minutes de cuisson. D'accord. Parce que c'est vrai que niveau cuisson, tu vois, là, c'est pareil. Pour des aliments comme ça, hein, j'entends pas, un rôti c'est différent. Je suis pas à chronométrer la cuisson, c'est comme pour les pâtes. Je serais incapable de te dire combien de temps ça prend à cuire des pâtes parce que je m'en fiche en fait. Je fais vraiment au feeling, au goûter, à la texture, tu vois. C'est ma ratatouille, je vais. Bah, tu l'as vu hein, dans la vidéo, même en accélérant. Je vais régulièrement la voir, régulièrement la renifler, régulièrement la humer, tu vois, regarder la touiller, regarder la texture, pardon, et bah le temps je le prends pas en compte, voilà. Je vois ce que tu veux dire. Après, moi, c'est peut-être une déformation professionnelle ou pas. Où en fait, justement, on apprend à organiser notre temps, parce que souvent, on n'a pas qu'une seule recette à réaliser. Voilà, parce que on a aussi une épreuve cuisine à l'examen, bien entendu. Et donc, c'est savoir combien de temps prend la cuisson de tel plat pour savoir combien de temps j'ai pour réaliser autre chose à côté. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'aime bien toujours avoir les temps de cuisson, de savoir combien de temps ça va me prendre. Pour pas forcément faire un autre plat à côté, mais moi faire autre chose, quoi. D'accord. Bon, après, ça vient peut-être aussi du fait que je suis pas cuisinier, pardon.
Et que du coup, c'est peut-être une très mauvaise chose de faire comme moi. Hein. Ne me prenez pas en exemple forcément pour ça non plus. Après, voilà, faut trouver un juste milieu entre les deux façons de faire, bien entendu. Et puis, c'est aussi, si toi, ça te convient déjà d'une, ben voilà, faut continuer à le faire, bien entendu. Et puis, pour ceux qui se posent la question, voilà, c'est aussi, ça permet de laisser vivre un petit peu, de le faire à la spontanéité, de faire, voilà, comme tu disais, laisser place à l'imagination aussi. Et puis, quitte à, bon, après, il y a une. Voilà, savoir qu'est-ce qu'on à quelle quantité on le fait, parce que il risque d'avoir des gaspillages alimentaires, mais voilà, de peut-être rater pour savoir voilà qui enfin pour rater pour savoir ce qui ne va pas et comment comment changer. Puis des fois quand on rate, eh ben il y a des bonnes trouvailles quand même. J'ai pas de recette comme ça qui me vient en tête, mais il y a eu des fois des bonnes trouvailles en ratant. Tout à fait. L'exemple le plus connu, c'est la tarte tatin, je crois. Ah oui, je crois, mais je sais plus comment ça se passait. Ah, je crois que c'était une vieille qui avait voulu faire un cougnamen aux pommes et qui s'est trompée. Non, je Ah oui, plaisante. effectivement. Je plaisante, bien sûr, mais voilà. Il me semble que la tarte tatin, c'est lié à un ratage. Pas un cougnamen. Tu mets les légumes, le poivron, tu vas laver le poivron, tu reviens couper le poivron. Alors, hop, l'ail et les échalotes, une dernière. Alors, c'est vrai que moi, j'ai tendance à faire premier, en fait. Quand je mets les échalotes ou de l'oignon, hein, et sur quand je mets de l'ail, j'ai tendance à le faire vraiment cuire en premier, couper en petits morceaux l'ail parce que bah, j'aime bien le goût que ça donne. J'aime pas le goût de l'ail. Et bah du coup toi tu mets tout à la fin. C'est oublie. Ouais, c'est vrai que c'est là, c'est plus une histoire de goût parce que, en particulier pour l'ail, moi j'adore ça. Hein, si je pouvais manger de l'ail comme ça, entier, je le ferais. Voilà, avoir le petit côté croquant aussi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. C'est la même chose avec l'oignon, l'échalote. Voilà, c'est des. J'aime bien avoir le goût en soi du voilà de l'ail ou de l'échalote. Une petite tranche de pain avec une tranche de saumon et juste de l'échalote crue dessus, ça, c'est le bonheur. C'est vrai. Alors, les tomates, tu es vide. Enfin, tu es vide. Tu enlèves le truc, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'appelle ça la tête. Ou le Voilà. chapeau. Le chapeau. Alors que tu tes tomates dans la petite tête sur la planche à découpe. Tu as oublié que tu avais la planche en dessous. Non, 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 là on revient sur ce qu'on disait au début sur ma fameuse planche à découper. Elle pèse très très lourd et donc bah, les tomates ça rend du jus et j'aime beaucoup mettre dans la ratatouille ou dans n'importe quel plat le jus de la tomate. Et c'est vrai que la prendre sur ma planche, enfin prendre ma planche à découper, essayer de mettre dans ma cocotte, c'est pas très pratique. Donc je mets sur une petite assiette, c'est pas forcément très adapté. Je pense qu'il faudrait que j'achète une planche à découper Ah, un peu plus petite pour que ce soit adapté. c'est pas adapté avec un couteau qui coupe bien, ça peut même être potentiellement dangereux, je trouve, le fait d'avoir quelque chose qui bouge. Mais on met lecture. Et puis on va avancer un peu rapidement sur le découpage de tomates, hein. Donc voilà, on a fini les coupes des légumes. Donc pour finir tout ça, j'ai décidé d'alimenter un petit peu donc le jardin de mes parents. Voilà, mettre deux trois feuilles de laurier. Et puis après, en herbe, j'ai toujours un petit peu de thym, du romarin. Donc voilà, ça fait un petit peu herbe de Provence, voilà, pour être un petit peu du sud. Ah oui, effectivement, thym, romarin, bon, typiquement du sud, laurier aussi, j'ai pas pensé à le mettre. Enfin, j'ai pas pensé à le mettre, j'en mets généralement dans les autres plats en sauce, pour bourguignon, les trucs comme ça.
Mais effectivement, j'ai pas pensé là dans une ratatouille à mettre du laurier. Il faudrait que je teste. Donc laurier du jardin de tes parents, c'est ça hein, que tu disais? Voilà. C'est Donc ça. qu'on salue. Donc, du très bon laurier. Et donc, je rebondis sur ce que tu dis, parce que par exemple, moi, dans un bourguignon, je ne mets pas du tout de laurier, mais j'adore mettre ça dans des poêlées de légumes en général. D'accord. Ratatouille, mélange de légumes. Je pense que là, pareil, hein, c'est une question de goût, tout simplement. Par Et contre, puis, de ce qu'on a sous la main aussi. la prochaine fois que tu vas là-bas, je veux bien que tu m'en rapportes du laurier. J'en ai plus quasiment. Bah, à la fin du confinement, hein. Ah bah oui. Eh bah oui. Pour la prochaine battle cuisine, tu reviens avec du laurier. Ça marche. J'assaisonne. Alors, on assaisonne, on touille. Je tiens à préciser que quand on met un condiment, une épice, un ingrédient dans un plat, et qu'à la pre au premier coup de fourchette, on enlève l'ingrédient du plat, il n'y a plus d'ingrédient dans le plat. J'en avais mis plusieurs et oui, voilà, le plat était bien plein et comme c'était dessus, et ben Et voilà. ben, c'était plus dedans après. La petite fugueuse. Ce qui est beau, c'est que totalement imperturbable hein, quand même. Hein, respect. Ben, on est acteur, on ne l'est pas. Voilà. Hop, il reste 4 secondes. Et après, il y a la deuxième vidéo que tu m'as refilée. Ah Donc bah. voilà, c'est parti. Donc là, on est parti pour 40 minutes de cuisson en cocotte. Si vous avez un autocuiseur, c'est toujours pratique. C'est à peu près 15 minutes, donc on gagne vraiment du temps. Donc voilà, je vous retrouve en fin de cuisson. Eh ben c'est pas mal du tout ça. Cool, le résultat final. Pour la deuxième vidéo. Voilà, la recette est terminée. Je vous ai fait une présentation un petit peu originale qui change d'habitude. J'ai juste pris un emporte-pièce et j'ai mis ma ratatouille dedans. J'ai Voilà, essayé. ça fait une petite déco sympa. Donc, la prochaine vidéo, ce sera la version de Steven. Alors bon, ben, la prochaine vidéo, ce sera pas ma version, vu qu'au final on l'a passé avant. Ben c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, un petit débrief, peut-être? Ben, moi, de mon point de vue, je pense on n'a pas la même façon de fonctionner, mais je pense qu'au rendu, on ne doit pas être trop loin. Je pense que on n'a juste pas les mêmes condiments ou même ajouts, on va dire ça comme ça, Tout à fait. mais je pense que ça ne doit pas être mauvais des deux côtés. Je pense que ça doit être bon, ouais. Si je peux me permettre, entre guillemets, une critique. Alors, critique, pas méchamment, hein, vraiment dans le sens par rapport à la mienne et par rapport à mes goûts, et strictement, purement par rapport à mes goûts. Alors, niveau quantité, je risque d'avoir faim après. Ça, c'est sûr. Et la sauce, alors la sauce a l'air très naturel, très très nature hein. Peut-être un peu trop nature dans le sens où la ratatouille bah, comme on l'a vu hein, dans la vidéo d'avant pour moi je la mange en complément de quelque chose. Donc, d'une viande, d'un riz et du coup bah, c'est vrai que voilà, c'est généralement je fais ma ratatouille avec de la tomate et une sauce tomate comme on a vu que là on retrouve pas forcément. Mais ça m'a l'air très bon quand même. Je pense que le. Moi, Pardon? je rebondis juste sur ce que tu disais. Voilà, moi, enfin, souvent, je le fais aussi en petit accompagnement, mais ça va être des petits accompagnements. Voilà, un petit morceau de pain fromage, une tranche de jambon, chose assez simple. Et voilà, souvent, voilà, on a peut-être mis pas les mêmes choses, Tout pas à des fait. choses avec le même goût non plus. Tout à fait. Parce que, enfin, moi, en tout cas, au niveau de mes légumes, enfin, déjà, je suis une grande fan des légumes et. Je trouve que mes légumes se suffisent à eux-mêmes. Voilà, je suis très satisfaite des légumes que j'achète. Donc, je pense que ça joue aussi. Tandis que c'est vrai que moi je suis plus à cuisiner avec des épices et tout. Effectivement, on voit le choix d'avoir mis du paprika fumé dans la mienne. À savoir que là je l'ai pas fait, mais
En temps normal, j'aurais aussi mis du piment et j'aurais peut-être même carrément pris un petit peu de la sauce de la ratatouille, touillé ça avec un truc genre piment ou harissa pour mettre sur mon riz, voilà, pour avoir le côté épicé. Mais en tout cas, bah, ça m'a l'air très bon. Je propose que les gens, les quelques gens qui commencent à s'abonner petit à petit, que ce soit à l'Instagram comme à la chaîne, bah, nous disent un petit peu qu'est-ce qui a l'air le meilleur, qu'est-ce qu'ils trouvent le plus appétissant. La prochaine, logiquement, si on a de la chance, la prochaine, du moins, Battle Cuisine, bah, ça sera tous les deux dans l'appartement, là, histoire de vraiment pouvoir faire ça en direct et d'avoir quelques goûteurs. Donc, éventuellement, nos conjoints respectifs, et puis voilà, j'ai le voisin qui s'est proposé aussi. Donc, que je te propose, hop, c'est bah, d'arrêter cette vidéo ici. Hein, donc, format. Non, non, Je vais pas pouvoir passer à non, non. côté de Bah non, l'objectif. ce serait pas normal Ah, non. J'ai essayé. Bon, vas-y. entre moi. Je fais appel donc au challenger. C'est Comme pas tu as l'air de super. quand même bien cuisiner les légumes, voilà, Ah et que non. c'est ça a l'air d'être mangeable, quand même, je te mets au défi de cuisiner un légume par jour. Comme tu veux. Cru, cuit, assaisonné comme tu veux, en accompagnement de ce que tu veux, mais j'en veux un par jour. Un légume par jour. Oh, t'es dur là. Oh, t'es dur. On va essayer. Après, toi qui aimes l'imagination, tu as droit, comment dire, de tricher. Alors, à la manière que tu veux, D'accord. mais je veux que tu me surprennes. Alors, la seule chose que je vais te demander, c'est de m'autoriser, parce que je sais que les diététiciens, les agronomes, sont un petit peu tous des casse-pieds à ce niveau-là, de m'autoriser de considérer la pomme de terre comme un légume. S'il te Ah. plaît. C'est un végétal. Ouais, mais c'est pas du tout, c'est un féculent. Alors, d'un point de vue nutrition, d'un point de vue agro, c'est un féculent. Moi, je suis un peu bébête sur les bords, j'écoute Larousse. Et le Larousse dit que c'est un légume. Ah, mais le Larousse se trompe déjà. Enfin, voilà, après, au niveau. Alors, oui, je te l'autorise, Merci. mais une seule fois. La Ok. semaine. Donc, c'est un peu mon joker. Voilà, exactement, c'est ton joker. Donc, la patate, c'est le joker. Ok. On est d'accord aussi, histoire que qu'on soit clair dans les règles. Je dois cuisiner des légumes. Je ne dois pas cuisiner uniquement que des légumes. C'est-à-dire que je peux très bien faire un repas avec des légumes et de la viande. Ouais, tout à fait, ce que je dis, D'accord. c'est sous la forme que tu veux, en accompagnement de ce que tu veux, D'accord. ou seul, Ok. si tu trouves quelque chose. D'accord. Et ça peut être aussi autant surgelé, frais, qu'importe. Voilà. Les oignons, c'est un légume? Alors, pour que ce soit considéré en quantité de légumes, alors je veux bien que tu manges trois oignons, tu vois. Tu sais que j'en serais capable dans un rôti cuit au four? Oh, putain, oui. Ok. Eh bien, écoute, on va essayer ce challenge. Waouh. Au moins un légume. On va essayer. On va essayer. Je suis pas un mangeur de légumes. Hein. Je suis plus un mangeur de viande éventuellement. Enfin, oui, quand même. De féculents, de fromage. Mais alors, de légumes. On va essayer. On le tente. Voilà. D'accord. Et on va essayer de pas cramer son joker dès le premier jour. Ouais. À bientôt tout le monde. N'hésitez pas, comme toujours, je le rappelle encore, abonnez-vous, communiquez, partagez, venez nous suivre sur Instagram. Il y a des petits likes régulièrement sur les photos, c'est sympa à voir. Et si jamais, c'est vrai que on le dit pas, hein, mais effectivement, si jamais vous avez la moindre question au niveau nutrition ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à la poser, que ce soit là, sur les vidéos,
comme sur Facebook, hein, sur la page, on va mettre le lien aussi, on a créé la page pour la chaîne. Voilà, vous n'hésitez pas à vous poser les questions. Au niveau nutrition, Steren se fera sûrement un plaisir de répondre. Niveau cuisine, l'un ou l'autre aussi. Et puis, si on ne sait pas répondre, eh ben, on essaiera toujours de trouver un moyen de rediriger vers des ressources. Voilà. Ou alors de proposer des défis aussi. On peut bien être à l'écoute. Ah oui. Ah, tu veux quand même pas faire que les gens prennent en photo leur repas et nous le montrent. Ça peut se faire. Ah, c'est parce que je dis qu'ils peuvent proposer des défis. Ah, qu'ils peuvent proposer. Ouh là 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 là. Ouh là, j'ai peur. Ouais. J'ai peur. Attention. Mais... Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, hein. Je précise. Ah oui. Je pense que ça pourrait être pas mal, effectivement, de faire ça. D'ailleurs, est-ce qu'on te lancerait pas un petit défi, toi aussi, tiens? Ah, si t'as une idée. Non, j'en ai pas. J'en ai pas. On pourrait commencer gentil et éventuellement que tu arrives à me faire, tu connais un petit peu mes goûts, à me faire une liste de menus pour une semaine, sachant que je mange un repas par jour, hein, seulement. Donc ça va, t'as pas trop à faire. Et une liste de menus où... qui me plaira. C'est-à-dire que si tu me demandes de faire des tomates farcies avec des carottes, je considère que ça marche pas. Donc voilà, une petite liste de menus qui pourrait me plaire. D'accord, ça marche. Voilà, chacun son tour. À très bientôt, Sérène. Bah, la semaine prochaine, du coup. Kenavo. Kenavo.